Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Driving School classique. Donc pourquoi ça s'appelle classique? Eh bien tout simplement parce que vous pouvez le voir, hein, comme vous pouvez le voir sur ce jeu, eh bien c'est un jeu où les voitures sont très très anciennes, c'est des voitures classiques comme on appelle ça. C'est des voitures vraiment collector. Et nous, notre objectif aujourd'hui, eh bien, c'est de réaliser la mission qui est de transporter cette belle voiture d'un point A à un point B. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, au tout début du jeu, vous voyez, j'ai eu plus 250, plus 50 XP. Alors, ça va nous servir à accumuler les points au fur et à mesure. Et comment on fait ça? Eh bien, tout simplement en respectant le code de la route. Donc il faut bien mettre les clignotants et il faut bien respecter le code de la route et à ne surtout pas faire attention à ne surtout pas abîmer cette belle voiture. Donc je vais vous présenter un petit peu le jeu, comment elle se manie, tout ça. Donc vous avez les pédales de frein et d'accélérateur qui se trouvent juste à droite de votre écran. Vous avez le frein à main, le klaxon, les feux et les clignotants juste au centre de votre écran, avec un minuteur qui se trouve pareil au centre de votre écran, les XP et le plus important, le GPS qu'on doit suivre pour ramener cette voiture d'un point A à un point B. Donc moi personnellement, pour chaque mission, je me suis laissé à peu près 4 à 5 minutes pour réaliser chaque mission et essayer d'accumuler un maximum de points. Donc le timing dans ce jeu, on s'en fiche un peu, le principal c'est vraiment d'arriver sain et sauf. Donc là, la petite accélération qui fait plaisir. Le plus important, comme je vous disais, c'est d'arriver sain et sauf au point d'arrivée, tout simplement. D'autre part, on est déjà à 2 minutes 05, on a récolté 450 XP, c'est très bien. Les XP vont nous servir à débloquer d'autres véhicules dans d'autres villes. Vous voyez, là je m'éclate un petit peu, hein, avec ce gros bolide. Faut pas croire, hein, parce que ça va très très vite. C'est juste que moi je vais pas accélérer comme un bourrin, parce que sinon on va abîmer la voiture et on va faire capoter la mission. Donc, hop. Allez, on va prendre à droite ici. Donc comme je vous disais, les missions vont nous aider à avoir d'autres véhicules de ce genre, encore mieux peut-être. Et débloquer d'autres villes où on pourrait s'exercer. Donc c'est vraiment un jeu très 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 intéressant. Donc je vous ai laissé le lien du jeu dans la description si vous voulez tenter votre chance. Si vous voulez y jouer, essayez de faire mieux que moi au niveau du gameplay. C'est tout ce que je vous souhaite, mais en tout cas, je vais donner tout ce que j'ai pu dans le jeu. Hop. Faut surtout pas croire que c'est simple, c'est un jeu vraiment où ça demande énormément de réflexes. Et si on ne maîtrise pas le volant, eh bien sachez que ça va être très très compliqué pour vous. Donc 3 minutes et 29 secondes, 30 secondes, voilà, 3 minutes 30. Donc ça va, on est dans le timing que je me suis lancé, hein. On est dans le timing que je me suis mis pour cette mission. Donc San Diego, on est parti pour la deuxième mission qui est dans l'autre ville, donc San Diego. Hop là, là on a déjà récolté 250 XP parce qu'on était très très bien garé et on est parti. Hop là, là on va prendre à gauche. Voilà, super. Allez, on va faire attention à ce qu'il n'y ait pas de voiture qui débarque de nulle part, parce que sinon je vais l'avoir mal. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo, à vous abonner, faire sonner la cloche, ça fait toujours plaisir. Ça aide la chaîne à progresser de jour en jour. Si vous voulez d'autres contenus de ce genre, n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire. Je lis tous vos commentaires. Les amis, donc n'hésitez pas à partager et à liker la vidéo, les amis. Allez, on est parti. On est déjà 1 minute 10 secondes.
Je pense que cette mission, quand même, elle va être beaucoup plus compliquée que la première. Parce que déjà, la route va être beaucoup plus longue. Et de deux, il y aura plus d'obstacles sur notre chemin. Vous voyez, avec ces feux rouges qu'il faudra respecter, ces véhicules qui vont arriver de toutes parts. Alors, voyons voir, là, il nous a fait faire un petit détour par ici. Hop. On va prendre à droite quand même. On est déjà à 350 XP, c'est juste au top. Voilà, très bien. Et on va prendre directement à droite juste là. Là ça va, pour l'instant on n'a perdu aucun point. C'est un très très bon... C'est très positif pour la suite. Allez, on va marquer le stop ici. Super. Et on part à gauche. Pour l'instant, il nous a pas donné les XP. C'est pas bien, ça. On va voir comment on va faire pour avoir encore plus d'XP. Allez, 2 minutes 40 de jeu. Alors, on arrive bientôt aux 3 minutes. Et comme je vous l'ai dit, je vais essayer de faire ça en moins de 5 minutes. Allez, 5 minutes pour cette mission, c'est amplement suffisant, je pense. Là, il me reste 2 minutes pour l'effectuer. Allez, c'est parti. Voilà, un petit virage à droite. C'est super. Alors voyons voir, là on va marquer le stop ici. Voilà, très bien. Allez, on continue, on continue. Il nous reste un peu plus d'une minute pour réaliser cette mission. Est-ce qu'on va y arriver ou pas, les amis? On va voir ça tout de suite. Moi je pense quand même qu'on va y arriver, j'ai confiance en moi. Alors céder le passage, est-ce qu'on va céder le passage? Céder le passage sans s'arrêter, donc on va y aller. Voilà, quand il n'y a personne, on peut s'engager tout simplement. Allez, une minute pour effectuer cette mission. On va mettre un petit coup d'accélérateur ici à la fin. Voilà, très bien. On va faire attention à quand même pas rentrer sur le trottoir. Allez mon grand, allez allez, 4 minutes 20 secondes, on va y arriver. Regardez la voiture qui danse juste derrière. Voilà, très bien, là pour l'instant on est dans le timing. Allez, il nous reste 15 secondes, là, je pense qu'on va quand même échouer. Sinon ça va être compliqué là de le faire en moins de 5 minutes. C'est pas bien grave, de toute façon on l'a dit, on s'en fiche un petit peu de l'objectif personnel. Le principal c'est d'arriver sain et sauf au point d'arrivée, tout simplement. Prends le temps, hein, tranquillement. Un petit peu d'accélérateur à droite, un petit peu d'accélérateur à gauche. Ça va très vite. On va s'arrêter au feu ici. Super. Donc voilà les amis, c'est bientôt la fin de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, partagez-la. Likez la vidéo. Moi je vous laisse sur la fin de la séquence et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.